Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va continuer Battlefield 3. Notre mission ça s'appellera Sans Peur et ce sera la huitième édition ou épisode, comme vous voulez le dire, de ce Let's Play. Donc on va voir ce qui va se passer dans Sans Peur. J'espère qu'en tout cas tout va bien pour vous. Et on est vraiment en forme pour jouer à Battlefield. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au piège dans la banque. Ouais, et on manquait de temps. Un peu comme maintenant. Alors vous dites qu'ils sont venus en ville. C'était à quel endroit? Il y avait une place à l'extérieur. On avait la bombe. Et on attendait dans la banque que Miller et un de trois viennent nous chercher. Je les ai contactés. Je devais savoir quand les renforts arriveraient. Ils ont dit 3 minutes. On sera là. 3 minutes, ça peut être long. Et ça peut faire mal, 3 minutes. Surtout quand on est dans l'armée, je vous le dis. Toujours Jonathan Miller. Eh ben, il y a eu de la casse. Hein. Merde, la route est bloquée. Bah. Il y a une petite rue, sur la droite. On doit y aller à pied, non? Ah bah non, en véhicule. Bon, on y va. Que dis-je? Oh non, encore moi. J'aime pas contrôler les chats. Tu veux te faire buter par un sniper? De mieux en mieux. Lance-roquette identifiée, sur le toit, engagé, engagé. Merde, où est le chef? Eh ben. Bon, on y va. Hein. C'est bon. Let's go. Ah, punaise, je me gourre. Oula. Dépêche-toi. On va faire quoi là? Ouah, ça sent pas bon ça. Je sais pas. Range-nous.
bombe atomique ici. Vous imaginez le merdier? Ouh, et ouais, celle qu'on avait vue précédemment. Bien compris. On fera ce qu'on peut. Je repasse sur le canal des opérations. Miss 813, je répète. Ici, c'est. Oui, ne t'inquiète pas. Dans 30 secondes. Préparez-vous à évacuer. Bien reçu. 5 sur 5. On marque la zone au fumigène jaune. À vous. À votre position en visuel, Miss 813. Ok, c'est good. Non, c'est plus good. Oula. En gros, on doit encore résister, c'est ça? Ont tendance à s'attacher à ce genre de choses. Et lorsqu'ils les perdent, ils pleurent. Ils sont inconsolables. Ouais. Et pourquoi? Parce que ces petits objets leur rappellent qu'on les aime. Mais la perte fait partie de la vie, n'est-ce pas? La perte comme la mort font partie de la vie, et les enfants doivent l'accepter. C'est le caractère inévitable de la mort. Ça veut dire que on va mourir. Mon père me le répétait souvent. Vous, vous serez donc un héros pour vos enfants. J'espère que ça vous réconforte un peu. C'est bon, on y va. Eh merde. Honte sur vous. Vous venez nous assassiner dans notre pays. Et pourtant, nous sommes les terroristes. Lorsque nous tentons de protéger notre nation et notre peuple, voici le prix que vous allez payer. Oh oh. Ah bah voilà, on s'est fait trancher la gorge, super. Donc c'est fini ou on doit continuer? D'accord, donc on s'est fini par un tranchement de notre putain de gorge. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Battlefield 3. Et... We can fight our desire.